faire, elle peut être plus rapide. Elle a un des chevaux les plus rapides du circuit, J.L. Scampars, pour la Suisse, la jeune baloise Yannicka Sprunger. Elle était troisième avec ce même cheval de cette chasse l'an passé. Cette chasse que son père avait aussi gagnée en 93. Il y avait Michel Pollien dans le trio de tête. Maintenant, il est aux obstacles. Oui, oui, 71-28, encore plus fort. Hé, hé, troisième de ce prix Ticket Portal l'an passé. Est-ce que ce sera encore mieux cette fois-ci? Enchaîné maintenant avec cette cavalière qui salue les membres du jury pour l'Italie avec Loro Piana, l'Eastman Lancer, 26e départ de ce prix Ticket Portal, Lucia Vizzini per l'Italia. Gagnante de plusieurs Coupes des Nations déjà, des très beaux classements dans les concours comme Rome et Vérone, classée dans le Grand Prix Coupe du Monde Rolex. Il y a un mois. Superbe! Quel beau tour! 72-04, deuxième! Forza Italia, secondo posto. Magnifique! Deuxième place. Deux cavalières en tête. Yannicka Sprunger devant Lucia Vizzini. Ce classement des couples qui a tant de valeur. Et il nous vient cette fois-ci avec un cheval très rapide, Apache. On l'a vu gagner beaucoup d'épreuves de vitesse, briller aussi au derby de la Baule. On encourage pour les États-Unis d'Amérique, Richard Spooner. Alors, il a un cheval rapide, lui-même est très rapide. On l'a vu tout à l'heure au barrage du Grand Prix Crédit Suisse qu'il a brillamment remporté. On y croit. Pour l'instant, le temps à battre, c'est 81-73. C'est le temps de Christina Libert, mais on peut aller plus vite.
Well done! 72-06 in the lead et largement en tête. Presque 10 secondes. Fantastique. Il a pris une sacrée option là, Michel. Oui, magnifique. Richard Spooner, 9 secondes 67 de moins que Christina Libère, sans faute de bout en bout. C'est le nouveau.